Bonsoir. Vous vous trouvez devant le QG d'Emmanuel Macron, dont vous venez d'apprendre la victoire. Alors, nous n'avons pas les chiffres ici sur le terrain. Quelle est votre première action? Vous êtes là par hasard? Non, pas du tout. C'est une magnifique victoire. Et au regard de l'histoire de France, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que le premier président élu de la République était Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait 40 ans. Et là, nous assistons à l'élection du 25e président de la République, qui a 30 ans. Donc c'est la victoire de la jeunesse. Il ne faut pas oublier que la France, c'est le pays de la jeunesse. Le général Lafayette, 20 ans. Madès, France, élu député à 26 ans. Poincaré, élu ministre à 27 ans. Et Louis-Napoléon, l'empereur Napoléon Ier, à 35 ans. Donc la France retrouve avec l'élection d'Emmanuel Macron le nouveau rythme de sa nouvelle renaissance. Et on peut être heureux que ce soit. C'est un avantage capital pour vous, cette jeunesse? Quel que vous prenez-vous d'écrire? C'est un avantage capital, mais en plus, dans le personnage d'Emmanuel Macron, il y a, en plus de la jeunesse, déjà aussi l'expérience et le sens de ce monde nouveau qui va nous permettre de sortir de la crise. Parce que les renaissances ne sont jamais nées dans des périodes faciles ou faciles, mais toujours dans des périodes de crise. Donc c'est à partir de la crise que naissent les nouvelles renaissances. Monsieur Kermesse, qu'avez-vous pensé de cette campagne électorale très particulière, unique pour certains, qui a été surtout marquée par les affaires de la évidemment. Quel avez-vous pensé? Quelle est votre analyse sur cette campagne? Mon analyse, c'est que cette campagne était plutôt déprimante et que, en fait, ça vient de quelque chose qui n'était pas bien, qui a été d'importer ces primaires qui ne sont pas. Nous avons le meilleur système électoral qui est le suffrage universel direct. Et on est allé chercher ces primaires américaines pour les imposer à l'esprit français. Et ça a tout déclenché, ça a tout détraqué. Et c'est heureux que ce soir, qu'il soit rentré dans l'ordre.